Bonjour, donc Olivier Laurent, Maison Lidner. Donc la Maison Lidner, c'est une entreprise familiale autrichienne donc qui appartient à la famille Lidner, qui est en fait cette année notre 70e anniversaire. Donc Lidner existe depuis 1946. Lidner est une marque qui est très connue à ce jour en Autriche, vu qu'on est numéro 1 sur le segment des tracteurs jusque 100 chevaux. Lidner a maintenant pour objectif principal de se développer partout en Europe. Donc une marque très présente en Autriche et le développement passera forcément à ce jour par l'export. Donc l'export pour Lidner, c'est principalement en Europe, donc en Allemagne et en Suisse. Et puis là, le Lidner a vraiment des projets de développement pour la France, avec notamment le projet d'un showroom avec centre de formation technique et centre de formation commerciale qui va être en Alsace. Tout ça pour apporter plus de soutien aux concessionnaires français et francophones, vu que de là, on s'occupera aussi de tout le Benelux, la Suisse romande et ainsi de suite. Donc moi, Olivier Laurent, je suis responsable du marketing et du développement du réseau de concessionnaires en France. Je suis à ce poste depuis 2010 et l'objectif, c'est de développer un réseau de concessionnaires dans toutes les zones de polyculture élevage en France. Et avec le LINTRAC, on a aussi... Lidner est bien connu en zone de montagne, commence à être connu dans toutes les régions de polyculture élevage. Et avec le LINTRAC, on a aussi de l'intérêt des clients arboriculteurs. Donc là, l'objectif aussi est de créer un réseau de concessionnaires dans certaines zones où il y a des vergers, notamment en noix de Grenoble, ou alors dans le sud-ouest des vergers de prunes et ainsi de suite. Donc à ce jour, Lidner propose toute une gamme de tracteurs traditionnels. Donc c'est la gamme Geotrac qui va du Geotrac 64 qui fait 76 chevaux en 3 cylindres jusqu'au Geotrac 134P avec une puissance maximale de 144 chevaux. On a donc la gamme se divise en deux sous-segments avec la gamme série 4 Alpin qui va de 76 à 102 chevaux et ensuite les Geotrac 114, 134P de 130 et 144 chevaux. Alors aujourd'hui, on a le Geotrac 134P qui est le plus gros modèle de la gamme Lidner. Alors le moteur, c'est un moteur 4 cylindres 4 litres 4. On est sur un moteur qui est aux normes tier 4 intérim. Système de dépollution, filtre à particules, donc on est sur un moteur qui fonctionne avec du diesel uniquement, donc pas d'adjonction d'adébout. Donc ce moteur, c'est donc un moteur Perkins. Ensuite, à l'avant, vous avez un pont suspendu ou un pont fixe Carraro. Donc là, on est en présence du pont suspendu Carraro. Donc la particularité de ce pont avant-là, c'est que vous avez une suspension à bras indépendant. Donc chaque roue est suspendue indépendamment. Ce tracteur-là est d'ailleurs homologué 50 km/h pour les pays dont la législation le permet. À l'avant, vous avez un relevage avant qui est fabriqué par Lidner, qui soulève 3,5 tonnes. Possibilité aussi d'avoir une prise de force avant et d'avoir un délestage avec un contrôle électronique du relevage avant, comme sur le LINTRAC. Si on continue le tour de notre tracteur, donc on a une transmission ZF avec 32 rapports avant, 32 rapports arrière, 4 power shift avec une fonction d'automatisation, c'est-à-dire que les power shift peuvent se gérer, se monter, se descendre automatiquement ou alors être gérés par le chauffeur. On a une pompe en hydraulique, on a une pompe à cylindrée variable 121 litres par minute. Donc comme sur tous les tracteurs Lidner, vous avez le circuit de l'hydraulique de travail qui est complètement indépendant de l'hydraulique de la transmission avec un réservoir séparé pour l'hydraulique de travail. En relevage, vous êtes sur un relevage d'une capacité de 6 tonnes 6. Donc le Geotrac 134P qui est le modèle le plus gros de la gamme, c'est un véhicule spécifique polyculture élevage, donc un véhicule qui reste polyvalent pour la catégorie, qui est assez compact pour le montage d'un chargeur frontal, mais qui permet aussi une polyvalence avec des travaux dans les champs. Donc on a un relevage d'une capacité de 6 tonnes 6, qui est entraîné par le système hydraulique du Geotrac 134P, donc une pompe à cylindrée variable et la possibilité sur ce véhicule-là d'avoir des distributeurs électro-hydrauliques de chez Bosch ou alors des distributeurs mécaniques. Lorsqu'on a des distributeurs électro-hydrauliques, on va avoir la possibilité d'avoir un joystick en cabine électrique à commande proportionnelle qui peut être réutilisé idéalement pour un chargeur frontal. Donc sur le Geotrac 134P, en série, on va avoir une suspension de cabine mécanique avec la possibilité d'avoir en option une suspension de cabine pneumatique.
Les commandes du relevage arrière et de la prise de force sont en commande externe, avec la possibilité d'avoir aussi la commande d'un distributeur électro-hydraulique sur les ailes arrière. Là, on peut voir sur le côté que le point fort du Geotrac, ça va être sa visibilité, avec une très bonne visibilité sur l'attelage arrière, sur les côtés, mais aussi sur le chargeur. Donc dans notre on est donc au volant du Geotrac 134P avec bien sûr un inverseur hydraulique au volant. On est assis sur un siège pneumatique basse fréquence de chez Grammaire. Dans l'accoudoir en série, vous allez avoir l'accoudoir multifonction avec la poignée, le joystick qui commande deux distributeurs électro-hydrauliques en croix qui sont montés en série. Cette commande peut idéalement être utilisée pour un chargeur frontal avec la commande de l'inverseur marche avant, marche arrière, troisième fonction, quatrième fonction. Possibilité d'avoir en option une poignée avec 9 boutons qui peut gérer le relevage arrière et les power shift. Vous avez la commande du relevage arrière. Vous avez sur le côté bien sûr le levier de vitesse avec un bouton de débrayage confort par bouton. La montée-descente des power shift mais qui peut aussi être gérée automatiquement et le passage robotisé gamme route, gamme champ. Les commandes du relevage sur le côté. L'accélérateur à main avec deux mémoires programmables. La gestion du power shift avec les différents modes d'automatisme. Et à l'arrière, vous allez avoir prise signal, arrêt coup de poing qui permet d'arrêter le relevage, la prise de force, les distributeurs, enclenchement de la prise de force arrière, management de la prise de force arrière, c'est-à-dire que lorsqu'on monte le relevage, la prise de force se coupe et elle se remet en route quand on rebaisse le relevage. Et pour transférer la commande du relevage arrière sur l'accoudoir, vous avez ce bouton à bascule. Donc le Geotrac 134P, en deux mots, c'est le véhicule qui est vraiment polyvalent, polyculture élevage. C'est un tracteur qui est vraiment très très maniable avec une très bonne visibilité pour tous les travaux de manutention. Donc ça c'est dans l'optique où on l'équipe d'un chargeur frontal. Un tracteur qui est très très confortable avec un pont suspendu à bras indépendants, une suspension de cabine. Donc vous avez un véhicule aussi qui est capable de faire des travaux plus lourds avec un relevage qui a une bonne capacité de lever et un véhicule qui va quand même faire à peu près dans cette configuration là 6 tonnes 5. Donc avec un véhicule capable aussi de faire des travaux plus lourds.